Et rebonjour, c'est Motina 55 aujourd'hui, encore, pas sûr encore, pas sûr, on reprend tout, juste avant le 9e match qu'on a tourné entre Scud Toxic et Extreme Pardex, autant pour moi. Et avec moi, j'ai encore Crâne toxique, crâne overdose, autant pour moi. J'ai du mal ce soir avec les noms, il fait tard. Comment ça va, crâne, depuis tout à l'heure? Ça va et toi, tranquille. Bon, bah écoute, aujourd'hui c'est du Falco contre No Stress et ça va, t'es dans un petit bon match parce que No Stress, ça fait vraiment pas très longtemps qu'il est dans la team et c'est bien la première fois que je vais le voir jouer. Enfin, on a fait une petite partie ensemble juste à l'instant et bah il joue pas trop mal. Et Falco, bon bah écoutez, je sais comment il joue, donc j'attends de voir que le match. Est-ce que tu penses que tu es prêt aussi, Crâne, pour le... Toujours prêt, moi. Bon bah écoute. Toujours. Je pense que c'est parti, hein. Allez, vas-y. Allez, let's go! Alors moi, je pense qu'on est dans la map aussi résistance pour ceux qui ne... Enfin, comme vous avez pu voir, hein. Et j'avoue que c'est ma carte préférée du jeu. Et franchement, celle-là, je l'aime. Alors par contre, je vais... Tu suis qui, toi, Crâne? Moi, je suis pas le premier jeu. No stress, voilà. Ok, bon bah je suis Falco. Alors c'est parti. Et il prend direct la AK-47 chargeur de grande capacité. Et moi, il prend l'AK-47 de chargeur de grande capacité. Ok. Tour de passe-passe à sa ceinture d'élite. Tour de passe-passe pro sur chargement pro visé solide pro impact sur l'AK-47. Bon, ça peut être pas mal comme Ouais. j'aime bien. Alors je ne sais pas ce qu'il a pris comme arme secondaire. Je vais voir vu qu'il a surchargement. J'aime bien surchargement. Franchement, c'est un atout que j'apprécie grave. Ça permet d'avoir plusieurs armes principales, deux armes principales, ouais, c'est sympa. Bon alors, tes petits pronostics pour ce match crâne. Ouais, ça va être serré, moi je dis. Ouais, ça va être serré. Je pense. Eh bien écoute, Falco, lui, ça fait longtemps qu'il a repris la main. Ça fait longtemps qu'il avait arrêté, parce que ça fait au moins 50 jours qu'il n'avait pas touché la console, sa PS3. Du coup, ce que je vois, c'est qu'il s'en sort vraiment pas mal. Ouais. Pour l'instant, enfin pour l'instant, hein. On est qu'au début, il a déjà 5 points. Ça a l'air d'être pas mal. Bon, à voir, hein, le restant de la partie. On est qu'au début. Oh, je suis fatigué, moi. Tu sais, moi je me prendrais bien une petite canette de coca là. Et ça tourne. Et ça tourne. Pour ça, j'aime pas quand il n'y a pas radar actif. Tu cherches pendant une demi-heure. Bon, mais bon, on est sur résistance, c'est une très bonne map, moi j'aime bien. Et c'est bien pour ça que je leur ai dit, bon, bah, allez-y les gars. Alors à distance, une des très bonnes maps. D'ailleurs, c'est l'une des premières maps que j'ai joué quand j'ai commencé sur MW3. Et je l'ai joué sur survie, le mode survie. Ouais. Ce fameux mode. Ah là là. Là, ça serait bien qu'on se fasse une petite vidéo un de ces jours sur un mode survie. Ouais, pourquoi pas. Franchement, c'est vrai qu'on s'en fait toujours sur les zombies, tout ça, mais... mode survie, on s'en fait jamais. Ça pourrait être sympa. Bon, il n'y a pas beaucoup de mouvement là, hein. Il se cherche. Oui, il se cherche.
pendant que le loup n'y est pas. La, la, la. Bon, je sais pas chanter. Ouais, ouais. Bon alors, les gars, où est-ce que vous êtes? Ouais, elle va durer 3 quarts d'heure la vidéo. Ouais, ouais. Oh, bah c'est pas grave. Hein. Si elle dure 3 quarts d'heure, elle dure 3 quarts d'heure. Hein. Oh, j'arrête pas de bailler moi aujourd'hui là. Oh là là. Ça y est. Il est 22h30. Il est temps pour moi que j'aille faire dodo. Allez les mecs. Allez les mecs. Tirez pour vous faire repérer. Alors, à mon avis, je crois qu'ils sont aussi bien concentrés l'un comme l'autre. Hein. Ouais. T'es sur ce Nostres là? Ouais, ouais. Il est où là? Il est. Comment dire? En bombe B, recherche et destruction. Il va passer en bombe B, recherche et destruction. D'accord. Ah, bah, Falco il est dans la maison du milieu et là il ressort. Ah. Il va vers le camion. Ah. Qui va. Il va remonter toutes les marches. Et non, il fait demi-tour. Il ne sait pas. Il revient vers la bombe A. Ouf! Là, ah, où il y a la librairie là. Genre. Ah, bah là, attends, il est où? Je vois rien. Ils vont se co-niquer. Ah, ouais, 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 ouais. Ils vont se co-niquer. D'accord, voilà. Bon, bah. Et un point pour nos stress. Un point. Qui se rajoute à. Faut qu'il reste dans une zone, ça sert à rien d'aller trop loin. Ouais, ouais, ouais. Voilà, du. Voilà, le... ah non, il est pas parti. Falco il est non. Il est reparti là où il est mort en fait. Ah voilà. Il s'est fait griller. Oh. Ah j'avais pas vu les deux étaient prestige 1, j'avais pas vu. Ah ouais, ouais, non, mais je... Falco, il joue très rarement à la console, donc faut savoir. Mais quand il joue, il joue. Il joue très bien. Ouais. Bon alors, dis-moi quoi il joue Oh là là, j'arrête pas de bailler ce soir. Oh là là. Comment il joue, Nostres? Il joue pas mal ou pas? La vieillesse, hein. Ouais, la vieillesse. Je te posais une question, mais c'est pas grave. Hein. De quoi tu m'as dit quoi? Je disais, est-ce que Nostres il joue pas mal ou pas? Ouais, il joue pas mal, ouais. Bah, il y a que 8-4, hein, ça va. Hein. Ouais, 8-4, ça va. Ouais. C'est potable. Ouais, je vois le temps de se rattraper. Oh là là, mais c'est pas possible, sérieusement. J'en ai marre. La, 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 la. Je vais peut-être me verser un verre de Coca-Cola en attendant. Ah tiens, Falco vient de se faire tuer. Ouais, il a vu ça. Il vient de se faire kinéd. Tintin. Alors, vont-il arriver à se trouver un peu plus? Eh oui, Falco l'a trouvé et Nostres ne l'a pas trop vu ou peut-être trop tard et s'est fait tuer. Et une fois de plus, bon, on va dire que c'est un peu de la chance en fait. Quand t'as pas le radar, c'est un peu de la chance. C'est sûr. C'est genre quitte ou double. Soit que tu fais. Bah, c'est quand même un peu comme le live hein, finalement. Au moment que tu te retournes, finalement t'as un mec qui arrive au toujours même. Toujours derrière toi. Ouais. Ça fait du bien. Un verre de Coca-Cola. Oh là là.
Voyons un petit peu les scores. 10-8 pour Falco. Oh, ouais, quand même, c'est assez serré, hein. Qu'est-ce que je t'ai dit? Ouais. Non, mais t'avais raison. C'est assez serré. Toujours raison. C'est assez serré. Attention. Falco est prudent. Nostress aussi. Ouais, mais sauf que Nostress a pas été assez prudent. Allez, Falco. C'est bizarre ça. Falco était en train de viser le truc, il a attendu. Je pensais qu'il allait faire le tour. Et finalement, non. À mon avis, c'est pour. C'est vrai qu'ils se sont mis les oreillettes ou. Parce que moi, je mets toujours tout le monde, donc. Ouais, moi aussi, je fais pareil. À mon avis, Nostrus est en train de lui dire bah, je suis là. Pour qu'il se trouve un peu mieux, à mon avis. Je pense, ouais. Ouais. Bon, leur respawn est pas très loin apparemment, parce que à chaque fois ils se trouvent assez vite quand même. Parce que c'est une mêlée générale. Ouais. Ah. Falco, allez. Ben, non. Prudent, très prudent, Falco. Il se demande. Plus que prudent, Draine grand-mère. Et malheureusement, même avec ça. Il s'est fait niquer. Voilà. Et ça aura fait niquer notre stress. On est à 14-14 partout. Eh bien, j'ai envie de dire que c'est un match assez serré. Moi je dis que c'est Nostress qui va gagner. Nostress. Et toi tu dis que c'est. Mais écoute, j'ai du mal à me prononcer sur ce match. Autant que ça peut être un très bon match. Et tu vois pas, ils font match nul tous les deux. Ils peuvent pas. Mais genre, ils tirent à la même seconde, à la même centième de seconde. La dernière balle qui va les achever. Qui atterrit sur eux en même temps. Imagine le truc, tu vois. Ouais. Franchement. Comment ils font? Match nul. C'est obligé. Non, même pas. Il y aura toujours quelqu'un qui le tuera avant. J'avoue. C'est ça la loi de MW3. Il y a toujours un gagnant et un perdant. Même si tous les deux sont égalité. C'est ça. Eh oui. Falco. 16-16 partout. Et ben bah, ils font du. Chacun son tour. C'est ça. Falco qui reprend la main. 17-16. La voiture, ça fait du 17-17. On a pas fini. Au-dessus. Allez, Falco reprend à nouveau la main. J'ai pas entendu un feu d'artifice là. Plutôt l'orage, non? L'orage? Bah, je sais pas. Je sais pas, je te parle du jeu moi. Ah! Feu d'artifice dans le jeu? Ouais, non mais un truc zarbi quoi. J'ai cru entendre. Des. Ah, je sais pas. Pétards. J'ai cru que tu parlais dans la présime. Non. Bon, en général, en octobre, y'en a pas beaucoup de feux d'artifice. Ouais, y'a 14 juillet, voilà.
Ouais, tu plaisantes. Là où j'habite, dans mon petit. Mon petit endroit, il y a quoi? Il y a franchement. Je dirais. Ouais, deux ou trois feux d'artifice. Et encore, c'est pas toujours le 14 juillet. Hein. Ouais, bah, c'est normal. Alors, ouais, alors les scores. Ah ouais, 19-18, hein. C'est vraiment, vraiment serré, hein. Il ne l'a pas eu. Eh oui, Nostress a été plus malin que Falco. 19-19. Eh oui. C'est un très long match. Un très long match qui peut. Avec beaucoup de suspense. Un peu comme le match de Zico et Tuaripe. Ça me rappelle un peu ce match. Je crois même pas que je l'ai vu ce match. Ah bah voilà. J'ai même pas dû le voir, je Si crois. tu suis pas mes vidéos, que je suis. Bah, t'en mets tellement que j'arrive pas à voir Ah laquelle. bah excuse-moi. Tu sais que j'ai fait une nouvelle vidéo d'ailleurs sur Halo, oui. Ouais. Ça, je l'ai aperçu. Aperçu, donc ça veut dire que tu l'as pas vu. Non. Voilà. Oh là là. En tout cas, on enchaîne les matchs du tournoi qui vont s'achever bah, finalement demain. Hein, vu que là, ça fait le deuxième match pour ce soir qu'on est en train de faire. Et dimanche, on va vous présenter. Enfin. Je vous dis dimanche, mais enfin oui, dimanche on commence à faire le deuxième tour du tournoi. Et du coup, bon, les vidéos seront peut-être pas postées dans les médias tous mardi, mais et il y en aura sûrement une par une, enfin deux par deux comme d'habitude, mais au moins. Comme ça. Ouais, c'est sûr. Et ça sera un peu moins le bordel parce que finalement, il faut savoir qu'une team, c'est plein de personnes et quand il y a plein de personnes, il faut que quand il y a un grand jeu comme Black Ops 2 sort, bah forcément, il y a des gens qui leur revendent les anciens jeux pour se racheter les nouveaux et forcément, ça va être la grosse galère. Si on peut plus faire le tournoi, donc du coup voilà le pourquoi qu'on accélère un petit peu les Du trucs. pourquoi, du comment. Voilà, exactement le pourquoi du comment. Moi avec toi Crane, je sais que t'es un grand Call of Man, donc il n'y a aucun souci, tu vas sûrement t'acheter le Black Ops 2 sans revendre MW3. J'ai tout, les Call of. Voilà. Du 1 au 8. Exactement. Bah oui. Alors moi compliqué. Alors oui, moi j'avais le 1, le 2, le 3. Mais je les avais sur PS2 donc. Oh bah moi aussi je les ai toujours sur PS2. Ouais. Parce que moi je crois que je les ai donnés à mon cousin. Enfin, je les ai prêtés à mon cousin. Et voilà, ça me fait de la route, c'est le genre que je vais retourner les chercher, ça me fait de la route quoi. Que pour l'instant je lui laisse. Où ça il habite? Oh là là, tu veux que je te dise où ce qu'il habite, mais mon cousin où ce qu'il habite c'est genre dans le trou du cul du monde. Un peu comme moi, tu vois. Sauf que. Vers où? Si je te parle de Aizier, tu connais? C'est dans quel département? Bah l'heure. Ah non, je savais pas. Ah bah voilà. Tu vois? Ah là là. Bon, il y a combien? 26-25. 26-25. Eh ben oui, eh ben on s'approche quand même de la fin finalement, l'air de rien. C'est sûr. Alors 4 points encore pour Falco et 5 points pour Nostress. Eh ben je te dis que c'est vachement serré. Oh.
Ah ah, il y a une petite séparation. 3 points pour Falco maintenant. Et encore 5 points pour Nostres. Attention. Ah là 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 là. Que va-t-il se passer? Suspense. Ah. Tintin. 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 Là je suis en train de chanter le... Oh, la panthère rose, je sais pas trop quoi, mais c'est pas ça du tout. Voilà, voilà, Falco. Falco, plus qu'un point. Nostres, 5 points. Ah oh là là, l'erreur de Nostres qui a jeté sûrement une flash. Non, non, une syntex. Une syntex en plus. Oh, voilà. Oh là là, bien joué Falco, j'ai envie de dire, mais vraiment bien joué. C'était juste quand même un gros match avec beaucoup de suspense, quand même. L'air de rien. Hein. Même si ouais. On s'est quand même bien amusé nous deux en commentaire. C'est sûr. On a parlé un petit peu de ma life. Mais bon, en tout cas, ça, voilà, encore un match qui vient de se finir pour le premier tour du tournoi. Eh bien, j'ai envie de dire, pas très beau match et encore bravo les gars. Merci encore, et je dirais merci à tous les gars qui ont participé au tournoi. Et un petit truc à dire sinon ? Non, je très serré, un beau match. Bon, voilà, exactement, très très serré, un beau match sur résistance, et on vous présente très bientôt, sûrement, je dis bien sûrement, le 11e match du tournoi, et il n'en restera plus que un ou deux. Voilà, un ou deux. Voilà, deux, allez. à partir de là, deux. Encore deux matchs et c'est fini, normalement, on va pouvoir commencer le restant. Donc voilà. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt. Ciao, bye. Et bonsoir, Crâne. Ciao. Ciao tout le monde.